Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale comme d'habitude, ou presque. Voilà, donc on va ouvrir des coffres. Attention, on a un coffre de... un coffre Magic en fait, c'est pas deux, c'est Magic, hein. Il y en a qu'un seul malheureusement, il y en a pas deux. Malheureusement il est aussi Arène 3, hein. Voilà, ça fait un peu chier, mais bon, qu'est-ce que je te dise, c'est comme ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir le coffre gratuit, hein. C'est-à-dire, on commence toujours par là, de toute façon, hein. Nous, on est comme ça, on aime les coffres gratuits, tu vois, c'est ouh. Enfin bon, on s'égare un petit peu. Alors, le gobelin à lance, j'utilise, ça fait plaisir. Voilà, c'est voilà, il y en a, ils vont utiliser, il y en a, ils vont pas utiliser, voilà, ça dépend, voilà, chacun son délire. Voilà, la mousquetaire, ça fait extrêmement plaisir aussi. 42 pièces, t'as eu 40 DE pièces, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. 5 hordes de gargouilles, bon... J'avoue que là, ça m'intéresse pas vraiment. Sinon, t'as quoi? Ah, un géant! Ça fait plaisir, tu vois. Là, j'ai envie de te dire... c'est que tu fais plaisir, dis donc. Hein. C'est trop génial. Hein. Enfin bon, j'arrête de faire de la merde. Donc, on va faire un coffre d'argent, voilà. Donc, il y a Arène 3, malheureusement. Hein. Oh, c'est pas beau. Non, attends, on fait un petit arrêt sur image. Bon, j'ai la flemme de le faire, mais... 1000 pièces quoi, 1000 pièces les gars, c'est génial. Donc du coup, un canon, ça fait plaisir. 5 gargouilles, putain, on est presque... on peut presque les améliorer quoi. Plus que 12 petites gargouilles et... Ah peut-être que, on sait pas. Ça pourrait faire plaisir. Bon malheureusement on n'aurait pas assez de sous, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup alors 27 d'or. 2 chevaliers, oui mais non, non, je rigole, hein. Franchement les chevaliers ça fait plaisir. 2 hordes de gargouilles, enfin 2, il me saoule les hordes de gargouilles, tu sais. Non, 2 gargouilles, franchement, si on peut les avoir, les 200 là, ça ferait plaisir. Rien que le fait de déjà les avoir, tu vois, ça, je pense qu'on va les avoir, c'est obligé. C'est... Non mais je le sens, tu vois, ça se sent, tu vois. Ça... donc 29 d'or, ok, tout à fait. Sinon à part ça, t'as... Ouh là là, il me teste, hein, l'enculé. Attends, encore 6 gargouilles à avoir, quoi. Bon, hein, on prie. Non, bon, on s'en fout un peu, parce qu'on pourra pas les améliorer, mais au moins, on aura les cartes, quoi. Donc, tour à bombe, bah, je m'en fous un peu. Bon, allez, petit suspense. Ah, vous avez vu, là. J'ai fait un petit deck, là, en 2 zones chrono et tout. On attaquera avec celui-là, voir ce que ça donne. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, on va s'ouvrir ce coffre. Je sais pas comment je vais faire. Regardez. Ah, presque. Enfin, attends les conneries. Allez, c'est parti, on l'ouvre. 3, 2, 1, go. C'est le temps qui s'ouvre. Oh, 272 d'or, quoi. Regardez, il y a encore 7 nouvelles cartes à avoir. Ah là là là. Allez, on y va tout doucement. Attends, c'est quand même un coffre magique, tu vois. Bon, le mini PK, on s'en fout un peu. Hop, ça jarte, s'il te plaît. Merci beaucoup. 11 canons. Bon, je m'en fous un peu, mais malgré tout, on va dire que ça fait plaisir. 11 gobelins à lance. Là, tu fais plaisir, toi. Là, tu vois, j'ai envie de te dire... merci, c'est déjà bien. donc, du coup, sinon, il nous reste encore 4 cartes à, 4 cartes à découvrir. Peut-être qu'on aura une épique. Non, même, c'est sûr, on aura une épique. En espérant qu'on aura le gobelin... Enfin, le squelette géant, ça pourrait être pas mal. Donc là on a 18 barbares, bon on s'en fout un peu, mais bon ils sont quand même puissants, donc ça fait plaisir. Putain mais vas-y, tu pouvais pas tomber plus mal mon gars, j'en ai rien à foutre de tes roquettes. Oh putain, il fait m'étouffer cet enculé là. Tes roquettes, tu vois, tu les prends là, tu les fous dans ton cul et tu dégages à l'Elysée, tu vois. Ouais, parce que c'est que des enculés à l'Elysée. T'as eu le jeu de mots un peu et tout. Bon, arrêtons les conneries. Là, tu vois, déjà, là, ça, c'est déjà mieux, tu vois. C'est vite fait nul, hein. Mais c'est déjà mieux, tu vois. Là, ça fait plaisir, hein, comparé à tes roquettes à la con. Bon, en attendant, on va avoir une carte épique. Qu'est-ce que ça va être? Attention, le suspense total est à 5 combles. Putain de ta mère, la... Très gentille femme, que j'aime beaucoup. Bon, non, en attendant... Non mais putain, mais le mec il me fout un foudre quoi. Eh putain, le squelette géant gros. Wow. Putain.
Regarde, squelette géant, il est où le squelette géant? Il est là, regarde, ça fait 10 milliards d'années que j'attends, là. Il y a même elle, là. Bon, ça, c'est une légendaire, je crois. Je m'en bats les steaks. Mais en attendant, voilà, quoi. À quoi? Ah ouais, mais ça, c'est arène 4. Ouais, mais ça, c'est arène combien, ça? C'est arène 2, 1, même, je crois. Même 0, peut-être. Voilà, c'est arène 2, quoi. Putain, je sais pas, entre arène 3 et arène 2, il n'y a pas non plus 10 milliards de choses à découvrir, quoi. Tu me donnes un vieux truc d'arène 1, toi. Putain, c'est dégueulasse, quoi. Bon, c'est pas très grave, on n'a pas eu de nouvel truc épique. C'est pas très grave, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer une ou deux fois. Et puis voilà, donc je pense que je vais attaquer une seule fois. Ouais, je sais pas. Bon, on s'en fout, si la vidéo dure trop longtemps, c'est pas très grave. Voilà, voilà, non, je suis un ouf, moi, tu vois, je suis un thug life, tu vois. Voilà, et après, on ouvrira le coffre à couronne, bien entendu. Et puis voilà, donc moi, je vous dis à tout de suite pour attaquer, et c'est parti. Et c'est parti, les gars, on va faire de la musique à donf avec DJ Jacob. DJ Jacob. Bon, arrêtons la connerie, voilà, on fait comme ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, tout simplement, on va rien faire pour l'instant, parce que je sais pas quoi faire, en fait. À la limite, on va faire ça. Du coup, maintenant, je peux plus rien faire, parce que je suis un bouffon. Mais vraiment un gros bouffon. Voilà, on va mettre la Valkyrie. Elle va nous sauver, enfin, elle va nous sauver un petit peu quand même. Voilà, ça fait plaisir. On va pas se cacher. Ça fait plaisir. Regardez, regardez à côté. Oh, il a même pas défendu et tout. Oh là là. Et je suis un ouf. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mais on se fait plaisir, les gars. Mais au premier attaque, on est des thug life. Mais c'est génial. C'est génial. Attendez, attendez. J'ai une petite idée. On va mettre ça. On va mettre ça. Et attendons, attendons. On va mettre le sort de rage. Vite, le sort de rage. Oh mais putain, on se fait plaisir, les gars. On se fait plaisir. Oh là là, regardez-moi ce sort de rage. Et boum. Et boum boum boum. Bam 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 bam. Boum boum boum. Bam 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 bam. Oh franchement. Mais en mode gros taré mental, mon petit. Oh là là, c'est génial. Oh mais oh, on l'a défoncé sa mère. Oh le DJ Jacob là, il est roué ou un petit peu ou pas? Bon, ça veut rien dire ce que j'ai dit parce que j'ai du mal à parler vu que je suis à moitié fatigué, mais ça c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Donc du coup, moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième attaque et puis après on ouvrira le coffre. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti les gars, on est des thugs là, on a perdu parce qu'il y a que des fils de pute. Donc du coup, on va défoncer ces enculés les de merde. Waouh. Voilà, c'est bien. Donc comme ça on est des thugs nous, tu vois, on est des thugs. Et on va tout simplement les défoncer. Attention, attention, attention. Et boum. Bim. Revanche. Non mais attends, vengeance les gars, vengeance. On les défonce. Regardez, ce qui est encore plus beau, c'est qu'on va encore plus le défoncer. Parce qu'il y a le sort de rage. Boum. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Oh putain, on le défonce. Ah mais vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir. Non mais j'ai perdu. Et j'ai encore perdu. Contre des niveaux de merde, contre des niveaux 8. Mais j'ai perdu, et encore perdu. Donc du coup c'est chiant, tu penses bien, tu vois. Et là ça fait plaisir, parce que je l'ai bien défoncé dès le début. Parce que je l'ai défoncé. Voilà, c'est génial. Donc du coup on lance le petit mousquetaire qui va faire plaisir, normalement. J'ai bien dit normalement, voilà, nickel, ça fait plaisir. Hop, on sort le petit bombardier pour se libérer d'une place et pouvoir mettre le sort de rage. Et bah pas besoin, pas besoin. Et c'est génial. Oh, on a eu un coffre d'or, dis donc. Bah ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Franchement, c'est génial. Bon, moi je vous dis à tout de suite, tout simplement pour ouvrir le coffre d'or, les gars. Ouais, coffre d'or. Cherchez pas à comprendre, ce soir je suis un taré mental, mon gars. Je suis un ouf, tu vois. Ah non, je suis un... Bon allez, arrêtons les conneries, c'est un peu chiant, tu vois, à la fin. Ouais, bon, tu peux fermer ta gueule, moi je viens de rentrer de cours, tu vois, j'ai envie de me libérer le cerveau, toi tu me casses les couilles, mon gars. Bon, en attendant, on va ouvrir le coffre d'or, pas le coffre d'or, mais le coffre, tu sais, des... Allez, c'est on fait pas chier. Voilà, les gars, on est des Thug Life. Juge pas. Merci. Donc du coup, on va ouvrir le coffre à couronne. On va se calmer un peu parce que là je... Oh là là, mais j'ai pété de ouf, mon gars. Non, mais j'ai pété un câble de ouf. Ouais, j'ai oublié un mot, désolé.
J'ai pété un cap de ouf, mon gars. Mais genre, dans le bon sens, tu vois. Genre, tu délires, quoi, tu vois. C'est quand t'es à moitié fatigué, tu vois. Tu gueules pour rien, tu vois. Ouais, non, se calme. Parce que sinon, ça va pas le faire, t'es ouf, toi. Après, ça fait mal au cerveau, au bout d'un moment, tu vois. Bon, en attendant, on a eu des gemmes. On a eu un mini PK. Je m'en fous un peu, mais bon, voilà, on va dire, ça fait plaisir. Putain, mais ferme ta gueule. Oh, il y a un moment... Je vais aller dans les studios de Triarch, je vais porter une bombe et je vais me suicider. Ah merde, c'est pas Triarch, c'est Supercell. Désolé, Triarch. Bon, d'un côté, Triarch aussi, je vais me suicider. Non mais c'est de la merde les requêtes, vous êtes d'accord avec moi? Ah non, c'est pas de la merde, moi d'ailleurs j'utilise pour finir les bâtiments ennemis. Ouais bah toi t'es un connard, donc c'est autre chose. Hein. Oh putain. Oh, je vous l'avais dit qu'on allait les avoir. Ah, je vous l'avais dit qu'on allait les avoir, les gargouilles. On a eu 35 gargouilles, les gars, mais c'est énorme. Bon, on va avoir du rare, là, normalement. Oh, putain, une épique. Oh, là, là. Oh, mais on a eu une épique, les gars. Un ballon, là, putain de ta mère. On a eu un ballon, ça fait plaisir. Oh, si on a encore deux ballons, on peut l'améliorer niveau 3 et tout. Thug Life. Il faut que j'arrête de dire Thug Life, c'est con. C'est nul. Bon, du coup, juste comme ça, ça coûte combien pour l'améliorer? Que 2000 en plus! Oh là là, oh, on pourrait les améliorer niveau 3 et tout, quoi! Bon, il nous manque deux ballons, malheureusement, mais... En attendant, ça fait plaisir. Bon, voilà. Je pense qu'on en a fini là. Moi, je pense que je vais vous dire à une prochaine vidéo. Si. Parce que nous, tu vois, on est comme ça. On fait un pack et tout... On fait des attaques et après on se dit à une prochaine vidéo. Voilà, c'est comme ça. On est entre nous, on se fait plaisir. Tranquillou, pepperoni. En attendant, après cette folie passagère, ça arrive. Enfin bon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, éclatez-vous bien et puis c'est tout. Allez, ciao tout le monde, ciao! Heureusement qu'il n'y a pas de caméra, mon gars. Sinon, je pourrais plus faire ça quand je suis comme ça. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va jouer à Clash Royale. Alors on va commencer par cliquer sur le bouton de merde là, coffre gratuit. Ah, coffre gratuit. Ah, c'est gratuit, ça fait plaisir. Alors ça donne quoi? Ah, mais c'est de la merde. Ah, mais c'est de la merde. Ah, mais c'est pas possible. Nique ta mère. On les défonce la tour, on les défonce la tour, on les défonce la deuxième tour, on les défonce la tour, on les défonce la deuxième tour, ils s'y attendaient pas, on l'a défoncé au dernier moment, je l'ai défoncé. J'ai tout calculé, c'était risqué, mais je l'ai défoncé car je suis un thug life. Laisse tomber, je pars en couille, tu vois, mais... Allez, à vous, t'as kiffé. Voilà, j'aime mieux ça. Non, mais fais gaffe à ce que tu dis, mon petit. Fais gaffe, ah, parce que je pourrais très bien monter dans les aigus. Ah, je pourrais très bien monter dans les aigus, alors fais gaffe à ta life, mon petit. Non, c'était juste un petit conseil comme ça, hein. Conseil de grand frère. Bah, je fais pas du tout référence à TK, qu'est-ce que tu me dis, toi? Mais pas du tout. Mais, allez, arrête, fais pas chier. Non, mais, laisse tomber, toi, ce soir, je suis un peu chaud patate. Je suis chaud, je pourrais foutre des... Je sais pas, mais je pourrais. C'est sûr, je pourrais. Enfin bon, moi, je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez aimé le truc. Moi, perso, j'ai kiffé. Après, je sais pas ce que ça donne... De l'autre côté du miroir, tu vois. Hein, c'est... Généralement, tu vois, du côté du miroir, on voit rien, on est bien, tu vois. Mais de l'autre côté... Ah oui, non, en fait, non. Non. Enfin bon, on s'en fout un peu, voilà. C'est tout. Allez, ciao tout le monde. Je sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Enfin, on s'en fout. Je suis fatigué, faites pas chier.